Salut tout le monde, aujourd'hui donc du coup c'est le championnat Rhône-Alpes Auvergne de cyclocross FGT à Saint-Chamond. Je suis arrivé sur le parking dans une heure donc c'est le départ, donc je me dépêche, je vais chercher mon dossard et puis voilà, on va préparer le vélo et puis c'est parti. Allez, tout de suite. Le vélo est prêt, on se change. Je vais mettre la thermique, puisqu'on a moins 1 degré, il y a grand soleil, on a moins 1 degré. Mais du coup, ouais, je vais mettre la petite veste thermique. Et puis la doudoune, même pour aller chercher le dossard, je vais mettre la doudoune. Hein. Je crains trop le froid. Sous le casque, je vais mettre carrément un petit bonnet, le petit sous-casque là, hop, pour les petites oreilles. Parce que je peux vous dire qu'il fait beau, grand soleil, grand ciel bleu. Mais il fait pas chaud, hein. Il y a moins 1 degré. Ce matin, il y avait moins 8. Donc on est vraiment sur de la température très très basse d'hiver, quoi, qui est bien arrivée là. Pour tout dire, moi c'est mon troisième cyclocross de l'année. Je fais les championnats Rhône-Alpes là, c'est vraiment pour le plaisir. Hein. Je fais pas ça pour gagner, c'est vraiment pour le plaisir. Et voilà, de toute façon, le sport, si on prend plaisir au sport, c'est le top. Allez hop, c'est parti, on va chercher le dossard. Allez, on va chercher le dossard. Allez, quand même, ça. Bon, du coup, c'est bon, c'est terminé. J'ai fait un cyclocross. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois. Je peux pas dire que je me suis pas fait plaisir parce que je l'ai fait en mode entraînement, mais c'est la première fois de ma vie que j'étais à la ramasse totale. J'avais un problème en fait, ma roue avant en fait, donc je suis monté en tubeless. Et le souci c'est qu'au niveau de la roue avant, car je l'ai gonflé, et après j'ai surgonflé, j'ai voulu dégonfler, en fait je pouvais pas dégonfler, c'est bouché en fait. Donc vu que c'est bouché, voilà quoi, j'étais un peu surgonflé, donc tous les virages j'étais par terre, j'ai fait un départ, moyen, et dans mon premier dévers je suis arrivé, par terre. Et puis après du coup j'ai pas du tout l'envie de me battre. Voilà, j'ai fait vraiment un mode entraînement. Je me suis fait plaisir, ça fait une heure de vélo, voilà, on va pas dire, hein. Mais dès que j'avais les cuisses qui gonflaient, voilà, terminé, on stoppait tout ça et puis voilà. Donc bravo, surtout bravo quand même aux organisateurs, parce que c'est un super circuit, c'était magnifique. Et puis voilà, par contre je suis vraiment déçu quand on a fait GT, on fait championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Les gars, moi je sais pas, quand vous faites, on est championnat Auvergne-Rhône-Alpes, on était 12 au départ en senior. Dites-moi vous dans les commentaires si en FGT au championnat, par exemple, championnat de Bretagne ou voilà, ou d'autres régions, vous êtes 12 au départ en senior. C'est incroyable. Incroyable qu'on ait 12 au départ. Donc déjà rien que là,
On n'a personne pour cirer bien la bourre, enfin, sauf si ceux qui sont devant, bien sûr. Mais ceux qui sont, voilà, quand t'es en. T'es 10e, si t'en as deux qui te doublent, t'es 12e et terminé, quoi. Ta course, elle est finie. Tu baisses vite les bras, c'est pas. 12 au départ, vous vous rendez compte? Au championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ouais, c'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai fait plusieurs championnats Auvergne-Rhône-Alpes et franchement, t'es pas 12 au départ en senior. Hein. Donc voilà, bah dites-moi vous dans les commentaires si vous avez fait un championnat d'ailleurs et combien vous étiez au départ. Mais là c'est incroyable, c'est du jamais vu je pense. Et puis voilà. Bon ben à plus, je pense que ça sera certainement mon dernier cyclocross de l'année. Je sais pas, peut-être la semaine prochaine, mais à voir. On verra, mais c'est pas mon objectif pour l'année prochaine. Cyclocross, c'est fini. FGT, je prends plus de licence, donc moi ce sera fond triathlon et puis voilà. Allez, sinon à plus, bon ben ciao. À la prochaine, bye bye.